bonjour à toi. Je suis avec Artery, groupe d'Angoulême. Donc, je crois que vous fêtez bientôt vos 20 ans de carrière. Ouais, tout à fait. On a commencé en 2005 et puis l'année prochaine, 2025, donc 20 ans. Voilà, avec des hauts et des bas, hein, bien sûr, hein, comme tout groupe. Et puis, voilà, donc, bien heureux de la formation actuelle. Voilà. Oui, c'est en préparation et ça sort fin d'année. Sur Great Dane Records American. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'il est déjà enregistré, ouais. Tout est prêt, il n'y a plus que maintenant le feu vert du label. Et puis une fois que on lui enverra tout ce qu'il faut. Et puis, après, il a prévu la sortie, donc fin d'année, comme disait Greg. Et puis voilà, donc après, on va relancer pour une série de concerts, et puis tout. Chez qui vous avez enregistré cet album? Chez moi. C'est l'autoprod, ouais. On a toujours, à part le premier album, on avait fait chez un petit label. Le premier album qui était Avoid the Unknown, donc lui, on l'a fait chez un petit label. Et après, pour une raison de coût aussi, forcément, on est comme tout le monde. Hein. Eh ben, on a investi. Moi, j'ai investi personnellement. Donc, et puis, on a fait ça en autoprod. Alors, peut-être, celui-là, il reste en autoprod. Et puis, distribué par le label. Et suivant, après, les finances, suivant comment ça rentrait, peut-être qu'après, on va passer au-dessus. Voilà. Voilà. Toujours dans le même esprit que les albums précédents, dans Vitrage, Death. Alors, c'est un peu plus Death. Alors, si tu veux, c'est quand même... Par rapport aux musiciens qui sont arrivés dans le groupe, on a adapté aussi la musique. Parce que nous, c'est éclectique, hein, si on va du heavy au death metal, hein, c'est toujours été ça, avec Fred, avec tous les deux. Mais après, Greg est arrivé, donc c'est une autre sonorité. Mika, c'est un autre jeu. Donc eh ben, oui, on est plus dans le death, on va dire maintenant, un peu plus death. Voilà, il y a des passages, je peux avoir de voix de hardcore, hein, mais après, sinon... Mais il y a du trash quand même, il y a toujours cet esprit de trash. Et modernisé un peu. Et modernisé, voilà. On l'a modernisé. Est-ce que c'est justement le fait qu'il y ait des nouveaux éléments qui soient rentrés dans Artery qui fait que votre manière de composer, elle a aussi évolué de cette manière? Alors, ça influe aussi, surtout pour le prochain album, ça influe forcément. Parce que, ben voilà, du coup, on ne peut pas faire du trash à l'ancienne. Greg ne fera pas de trash à l'ancienne, ni Tiffen, à la base, c'est pas sa culture. Nous, on a une culture qui est assez vaste, hein, donc si tu veux, je crois que plus je vieillis, on s'adapte en fin de compte, parce que pour nous le principal étant de jouer et de prendre du plaisir, et voilà, donc je passe la parole à Mika et donc... Michael, batteur depuis, on va dire, 5 ans déjà. En fait, le prochain album, c'est l'album pour lequel j'ai écrit la batterie. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais écrit la batterie. Je m'étais juste contenté de reprendre les parties des précédents batteurs. Et moi, j'ai une culture musicale qui est relativement vaste, mais qui est surtout concentrée sur le métal extrême. Moi, mes groupes de prédilection, ça va être plutôt Dying Fetus, Psychroptic, Obscura, pour tout ce qui est sonorité. Alors oui, c'est vrai que techniquement, on est sur dans la stratosphère avec ces groupes-là, mais moi, c'est quelque chose qui me parle et qui m'influence quotidiennement. Et quand j'ai intégré Artery, déjà, je me suis permis, vu que j'avais carte blanche, on va dire, de la part de Thierry pour modifier certains plans, j'ai pu m'amuser. Et pour le prochain morceau, pour le prochain album, je me suis encore plus amusé. Et du coup, depuis 5 ans, ça a peut-être, Artery a peut-être amorcé cette tournure death et modernité depuis un petit peu avant moi. Mais ça, mon arrivée, j'ai senti qu'on modifiait les sons. En plus, l'année dernière, on est passé en numérique. Alors ça nous a changé tout le matériel. Toute notre exigence par rapport au matériel, par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on est capable de produire sur scène. Et,
Et donc, Artery, les précédents albums, c'était très trash. On sentait déjà des prémices de death. Et c'est vrai que pour celui-ci, il y a quand même plus de blast, on monte le tempo. Moi, c'est des choses qui me parlent. Moi, j'aime bien quand ça va vite et que ça envoie. Et donc, pour le prochain album qui sort fin d'année, on n'a pas de date précise encore. On reviendra sur les réseaux sociaux lorsqu'on aura une date précise. Ça a été écrit dans une mouvance plus death. Donc, on va le défendre l'année prochaine, cette fin d'année. On a commencé aujourd'hui avec un super concert au Festival 666. Merci encore aux organisateurs. Et on va essayer de concrétiser ça, de défendre cet album dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et pour le prochain, on a certaines idées qui changent un peu, mais toujours dans un esprit trash, parce que ça fait les racines d'Artery, mais modernisé avec un peu de blast, parce que moi ça me parle. Et on arrive à... Pardon, je parle beaucoup, mais on va réussir à trouver une vraie essence d'Artery. Et ce qui est important dans le groupe aujourd'hui, c'est de s'amuser, principalement. C'est le mot d'ordre, c'est amusons-nous. C'est notre chèque avant les concerts, c'est les gars, on s'amuse. Titi, tu veux parler? Ouais, Titi, on verra sur la question. Voilà. Justement, comment s'est passé l'accueil au 666? L'accueil, le concert, comment ça a été? Non, il faut signaler qu'aujourd'hui on a atteint des records de température. Déjà le public, bravo à eux, parce que déjà c'est pas facile. Faut y rester. Ouais, c'est assez éprouvant, mais je crois qu'on était pas mal. Je crois qu'on était même mieux lotis, quoi. Mais on était mieux lotis que le public. Par contre, niveau, alors le fest, génial. Donc total soutien. Alors nous, on est venu aussi par rapport à, je veux dire, un petit clin d'œil au Sunroots, parce que c'est Olivier qui nous a fait rentrer dans le festoche. Et donc un merci à lui et à Isa aussi, et Isa qui est aussi bénévole. Et puis parce que voilà, puis en plus il m'a dit, en plus les gars, il y a testament. Et moi, il y a testament. Là, j'ai dit, mais là, putain, les... Je ne vais pas dire au micro ce que je ressens, donc si tu veux... Je veux savoir ce que tu ressens, parce que, c'est vrai qu'hier, c'était une affiche plutôt moderne, avec Ginger, Dylan Ardor, etc. Complètement. Aujourd'hui, il y a Tribute to Trash, Il y a Testament, Tout à fait. Il y avait Whitefire tout à l'heure. Ouais. Cradle aussi, quand même. Et Cradle. Ça date, ça a quelques années. C'est plus de 20 ans. On est sur, justement, une affiche qui est... Tout à fait. On est dans une affiche plutôt old school. Oui, tout à fait, exactement. Ça fait plaisir. C'est quoi? Oui. Ça fait quoi de le ressenti avec... Alors, je vais te dire un truc. J'ai déjà fait ma groupie, moi, on va dire. J'ai déjà fait une photo avec Alex, alors, de Testament. Et voilà, pour nous, c'est comme un rêve. Parce que si tu veux, moi, ces mecs-là, j'étais tout petit. Même avec l'âge que j'ai maintenant, je ne dirais pas. C'est bon, faut deviner. Donc c'est un rêve. Et je remercie encore leurs gars, tout ça, et Olivier, tout ça, Isa, machin, pour ce moment vraiment magnifique, quoi. Voilà. Là, j'ai donné Concernant Testament, bon, j'ai juste un petit regret, j'aurais aimé donner 2-3 astuces à Steve DiGiorgio à la base, quand même. C'est dommage, j'aime les plus. C'est un honneur de partager la scène avec la même scène. Ça, un tel bassiste qui a joué avec Chuck Schuldiner dans Death à l'époque, c'est des légendes, quoi. C'est presque le premier à jouer de la fretless sur des albums de métal extrême. C'est comme ça, c'est extraordinaire. On a beaucoup de chance, on se rend compte de notre chance, on est conscient. Ouais, on va essayer d'en profiter. Ouais, on est vraiment conscient de ça et c'est génial. Alors, j'avais une question justement concernant le. Tu sais, sur l'histoire du crash, qu'on disait dès le début de l'interview que dans un groupe il y a des hauts et des bas. Et est-ce que récemment, il y a un espèce d'essor du trash, comme si le trash revenait un petit peu en force après quelques années un peu dans le bas de la cuve. Alors moi, à mon avis, il y a un groupe de jeunes, en effet, plutôt
jeune, Crisix, qui remodernise totalement ça. Et c'est vraiment très très bien ce qu'ils font, mais la scène trash, je la trouve pas si vivante que ça finalement. Bah, oui, on reste sur des vieux groupes, entre guillemets des vieux groupes, hein, mais. Ouais. Et après, c'est aussi qu'il y a beaucoup de mix trash, hardcore, trash death, etc. Donc, mine de rien, je pense. Je pense que en fait, la mode est au mixage des influx aussi, quoi. Les groupes modernes, c'est ça. Souvent, on le voit à l'heure actuelle, même avec notre groupe. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Oui. C'est clairement parce qu'on s'adapte par rapport aux générations, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas de la même génération. Donc on ne le fait pas vraiment exprès en plus. Et on ne le fait pas exprès. Mais après, des groupes purs comme Testament, on va dire Megadeth, tout ça, ça c'est des vieux de la vieille. Bon, c'est indémodable. Voilà, et donc. Ils seront tout le temps. Tu ne peux pas te comparer à ça, ce n'est pas possible. Mais des groupes trash comme eux, des purs, il n'y en a plus beaucoup, je pense. Je pense pas non plus. Je pense que ça va vraiment. T'as une petite relève avec Crisix, vraiment. Ouais, Chris, mais il n'y en a pas. Angelus Apatrida. Ouais, qui tourne bien. D'ailleurs, j'adore, moi. Est-ce que le fait que, par exemple, je pense à certaines séries télévisées où ont été mis en avant justement des morceaux de trash, je pense à Stranger Things. Le morceau de Metallica. Metallica, ouais. Qui a été remis en avant. J'ai l'impression que cette période du trash des années 80 est en train petit à petit de revenir. Revival, quoi. Et puis il y a aussi, enfin voilà, Gojira aux Jeux Olympiques, qui est un groupe de death de base, quoi. Enfin, ouais. Tu vois, et de des gars de chez nous, des Landais. Ouais, bah, qui sont à une heure de route. Tu vas dire que les bouffé avec. Les gars de chez moi, quoi, voilà. Les gars qui mangent du pâté. Ouais, exactement, le pâté, c'est bon. Non, mais c'est que je pense que j'ai peur que je revienne sur la série Stranger Things, ce solo de Metallica, machin, le truc. Est-ce que c'est pas aussi une espèce de coup de com pour médiatiser un peu la série aussi à ce moment-là de... Peut-être. Je sais pas. Non, mais. Pas sûr que ça ait servi vraiment à mettre en valeur. Après, j'ai quand même l'impression que les jeunes, ils écoutent. Ça revient quand même, les musiques extrêmes, etc. J'ai l'impression que ça revient. Tu sais, enfin. Jeunes gothiques, etc. Enfin, tu vois, il y en a de plus en plus quand même, quoi. Enfin, c'est la mode entre guillemets, mais c'est par phase, quoi. Et j'ai l'impression que ça revient, quoi. Je crois que les jeunes aussi écoutent un peu ce qu'écoutaient leurs parents. Ils arrivent à écouter quand des groupes comme Kiss ou n'importe quoi. Tu les vois, les drôles, ils se maquillent comme Kiss, alors que c'est pas. Il y a les parents qui influent là-dedans, forcément. Mais de toute façon, pour moi, ça se perdra pas. Ça se perd. Tu sais, c'est comme l'esprit un peu rock'n'roll, tu sais, le rock'n'roll. On a entendu tout à l'heure un peu, même le groupe qui était après nous, c'est un peu Airborne, tout ça. On le voit sur les fesses comme ça. Même des AC/DC, tout ça, c'est... C'est plein de jeunes qui ont 20 piges. Et voilà, les mecs ont 20 piges. Et ils aiment ça, et ils aiment ça, ils aiment ça. Parce que... Et puis ce qu'il y a, c'est surtout ce que je pense, ce qui est... On a toujours... Enfin, le métal a toujours vécu sans grande publicité, quoi. Et c'est ça qui a toujours été fort, je pense, parce que depuis des années, nous, ça fait j'ai 20 ans, et on va dire même au-delà, qu'on est dans cette musique, et les médias n'ont jamais vraiment favorisé, on ne peut pas dire qu'ils ont favorisé le métal, pas en France, le pays, je crois qu'ils ont un problème avec cette musique, mais bon, tant mieux que Gojira ait pu faire quelque chose, mais... Pas sûr que c'est plus aux gens, en vrai. Pas sûr, mais... Ouais, tout de fou. Parce que des gens qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, ils ont été voir par curiosité. Ouais, ceux qui ne connaissaient pas et qui, du coup, ont apprécié, ça fait dans tous les cas. Bah, ils ont doublé, C'est doublé ou triplé, même. Mais bon. Je pense que c'est mérité. Enfin, pour ma part, oui, c'est mérité pour eux, exactement. C'est normal, ils n'ont rien lâché. C'est très bien. Exactement. On est content. Alors, on est content pour eux, tant mieux. Et puis voilà, si un jour ils pensent à nous, moi je déconne. Mais bon, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire dessus. Quoi, voilà. En tout cas, on espère que ça durera et durera et durera. Ouais, concernant les concerts, justement, il y a là aujourd'hui, donc vous avez joué au 666. Qu'est-ce qu'il y a après comme concert à venir? Alors, c'est en septembre, on a au Shirei Metal Fest. Donc avec Witches, il y a Exhauster. Exhauster, un batteur. Voilà, donc ça va être un bon plateau. Il y a 6 groupes. Exorio, voilà. Il y a des groupes un peu du coin. Sauf, Witches et puis. C'est un peu plus loin.
Mais bon, ça va être à mon plateau. Après, on a un concert à Bordeaux, ouais, au Salem. Et on a ouais. Bravo. Avec Sunroots. D'ailleurs, avec Sunroots, ça fait à peu près 4 fois qu'on va jouer ensemble cette année. Mais, et puis, et un concert à Fontenay-le-Comte. Voilà pour cette année. Non. Ça a été décalé. Ah, au Sekhmet. Bah si, c'est au Sekhmet, oui. Sekhmet. Ah mais attends, c'est lui qui fait la date, il se rappelle plus, quoi. Quel bordel. Là, le truc, quoi. Non, si, je crois bien que c'était noté. En tout cas, on va conserver cette lancée du Festival 666 pour encore plus défendre l'album qui sort dans quelques mois. Pour 2025, on a des pistes pour certaines choses qui sont intéressantes. Pour l'instant, on ne dit rien parce que c'est pas officiel. Le but là, c'est de jouer parce que c'est ça qui nous fait kiffer, vibrer, voir les gens bouger la tête. Moi, il y a certains riffs où je voyais plus les têtes bouger, donc je me dis ah là, on touche quelque chose d'intéressant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que même les festivaliers ou les spectateurs vont braver parfois le froid, comme ça on se sera en période hivernale. Et là, la grosse chaleur, parce que là on a joué, il faisait 40 degrés. Donc merci à tous les festivaliers. et aussi à l'organisation, parce qu'on a eu un son incroyable. Alors Tom, je connais que son prénom, qui a fait un boulot incroyable, qui est super sympa. Et le gars qui était en face de nous avec une barbe, je ne sais pas qui c'est, mais tu te reconnaîtras. On va aller le voir tout à l'heure. Merci à toi, parce qu'on a eu un super son. Ah ouais. Et là, on a des pistes, on ne dit rien pour l'instant, mais en plus on a un booker maintenant qui va nous trouver des dates intéressantes et des plateaux intéressants, donc on va pouvoir se déplacer sur 2-3 dates. Aujourd'hui, on a un véhicule qui nous permet de pouvoir charger le matos et aussi les bonhommes pour pouvoir bouger un peu partout. Donc, si vous aimez le trash, si vous aimez le trash moderne, même les choses un petit peu old school, des gars qui bougent, qui adorent la musique, qui travaillent très bien leur instrument, les solos de Fred sont incroyables, les solos de Thierry, et ils sont pourris. les solos de Thierry sont tout aussi bien. On s'amuse, on essaye de donner un maximum d'énergie à Artery sur scène. Donc, si vous voulez faire venir un groupe comme le nôtre d'Angoulême, moi je suis du côté de Bordeaux, Tiffen plutôt du bassin d'Arcachon, mais et de Rochefort, on est capable de se déplacer, il n'y a pas de souci. Vraiment, écoutez les solos de Fred, il est plutôt discret comme garçon, mais il se donne à fond, et croyez-le, il a adoré ce concert d'aujourd'hui. Ouais. Bah voilà, on t'entend pas trop. Plutôt discret. Mais il attend un truc, c'est qu'il voulait boire un coup, là. Ça, c'est pas